Bonjour, aujourd'hui donc, la dernière astuce en 2017 sur Excel. Donc, bonne année 2018. Donc, l'astuce, ici, donc, j'ai fait une extraction des pays de l'Europe avec la superficie. Et l'astuce, donc, consiste à séparer les pays et la superficie en kilomètres carrés. Donc on constate ici que les pays sont séparés avec la superficie, ils sont séparés par une slash, comme ça. Donc on veut séparer ceci. Donc la première des choses, donc je peux recopier ceci ici, voilà. Et donc la première astuce consiste donc à sélectionner ceci, faire CTRL H et mettre ici un slash étoile et faites remplacer tout. Voilà donc, tous les textes qui se trouvent à la droite, c'est-à-dire avec les slash, ils sont séparés. Reste donc ici la superficie. Donc je sélectionne ici, je fais CTRL H, mais cette fois-ci c'est étoile. On va commencer par étoile et slash pour laisser ce qui est à droite. Je fais comme ça. Voilà donc ici. Donc ça c'est les pays et ça c'est la superficie en kilomètres carrés. OK? Ça donc la première astuce. On va donc retourner ici pour faire la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est de trouver le slash ici. Donc pour trouver le slash, je fais donc ici la fonction recherche. Donc cherche quoi ici? Cherche le slash. Cherche le texte cherché, donc c'est slash. Point virgule et je sélectionne. C'est-à-dire la cellule dont on trouve le slash. Donc ici, le slash, ici, slash, se trouve nombre cardinal 8. OK? Donc ici, je peux faire donc le texte égal S-texte. S-texte. Ceci commence par 1 jusqu'à 8. Jusqu'à ici. Voilà donc, 1 moins 1, je peux faire ici moins 1. OK? Et je peux faire entrer ici, ceci. Je recopie ceci ici. Et je mets ceci moins 1. OK? Je peux supprimer ceci donc. Qu'est-ce que je fais ici donc? Est texte à 3, 1 et cherche slash, j'ai remplacé ce que je fais ici, ici. Et je clique sur OK. Voilà donc. Et pour trouver la superficie, je mets toujours égal cherche. Cherche quoi? Slash. Ici. Donc c'est en 8 égale S texte. Je commence donc par. Je vais choisir le texte d'abord. Ensuite, ceci plus 1. Ensuite, 100. Voilà. Et je mets comme ça. Si, je vais descendre comme ceci. Voilà. Pour trouver. Mais je vais insérer ici le D3 plus 1. Je veux insérer directement ce texte ici. Copier. Et je veux la remplacer ici. Et je mets plus 1. Voilà donc, je peux supprimer dans ce cas ceci. Et je fais comme ça. Voilà donc, ici les pieds et ici la superficie. Je peux monter comme ça. Voilà donc, ici les pieds et ici la superficie. Donc, la fonction sTexte et la fonction cherche. OK? Je peux dans ce cas copier, mettre en valeur et je peux supprimer ceci. Voilà donc cette astuce. C'est la dernière astuce sur Excel en 2017. Bonne année et à la prochaine.